Les collégiens se mettent au droit, favoriser l'échange entre les jeunes et les avocats sur un thème central, les droits des mineurs. Tel est l'objectif d'un projet novateur. 65 élus juniors, des élèves de 4e qui représentent la nouvelle assemblée départementale junior et le bâtonnier angevin, Alain Fouquet, ont eu l'idée de faire monter des scénettes théâtrales. Celles-ci mettent en scène des faits réels de justice sur des thèmes d'actualité, mauvaises rencontres sur Internet, vol. Pour maître Alain Fouquet, c'est une vraie aventure qui commence. Cette expérience s'inscrit dans le programme qui a été celui du Conseil de l'Ordre, de montrer que l'avocat est dans la cité, qu'il est sorti du palais, qu'il est sorti du judiciaire pour aller dans la cité et aller pour répondre aux demandes qui sont celles du droit. Parce que le droit est une forme de théâtre. C'est Maître Vergès qui dit cela. Le détail, dit-il, c'est que la pièce, c'est la vie. Mais c'est d'abord un théâtre, c'est-à-dire le droit est communication, le droit est expression. Et nous avons pensé avec les conseils généraux juniors que ce mode d'expression, qu'est la scénette, à partir d'un synopsis, était un bon instrument pour que les jeunes prennent conscience que les problèmes juridiques, c'est leur affaire, ça les intéresse, qu'ils y sont impliqués. Chacune de ces scénettes aborde des situations de vie qui les intéressent, qui sont de leur vie. Et c'est ce que nous avons voulu. Autrement dit, que ces jeunes réalisent avec nous que le droit, c'est pas que l'affaire des adultes. Ça, c'est le premier message fort. Le droit, ça n'est pas que l'affaire des adultes. Et le second message, c'est que le droit, ça n'est pas de la tragédie, c'est la vie au quotidien. Et que plus de droit, plus d'état de droit, c'est mieux de vie. Les collégiens seront-ils réceptifs? Marion a sa réponse sur le sujet. Pour elle, ça va marcher. C'est le fait de montrer des scénettes qui peuvent arriver dans toutes les familles. Puis c'est intéressant parce que, comme la scène numéro 3 qu'on a vue tout à l'heure, ça peut arriver à n'importe quel moment, surtout à notre âge, vu qu'on a 14 ans et que c'est l'âge où il y a plus de sœurs sur le net et il y a plus de chances que ça nous arrive à nous que dans 17 ans ou plus tard. Je pense que ça va marcher, oui, parce que déjà dans mon collège, ils se sont proposés pour le faire. Donc après, dans les autres collèges, je crois qu'ils sont aussi intéressés, donc je pense que ça peut très bien marcher. Oui. 75 établissements sur 92 se sont déjà portés volontaires pour mettre en place cet événement dans leur collège.